Vas-y, commence. Salut les doudous, donc on se retrouve sur la chaîne du petit Rider. Donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale, ouais. Je sais pas si on voit, Donc là on a commandé sur Route 7 Select, donc avec mon poteau Olive. Et puis bah du coup on va vous présenter un peu tout ça. Et donc pour ceux qui veulent commander aussi, je vous dirai si les tailles ça correspond bien à ce qu'on retrouve en France. Ouais, voilà. Donc voilà, on va commencer avec tout ça, je t'en prie, ouvre ce joli paquet. Merci. Donc voilà, on a bien sûr... la facture. Donc vu qu'on était deux, on a quand même blindé la commande. Ouais. Et bon, à savoir que les petits frais de port, voilà, il y a les frais de douane et les frais de port. Donc on en a eu pour combien les frais de port? 25. Pactage UV. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. La petite casquette. Ma casquette. Donc ça, franchement, je la voyais depuis super longtemps. Donc voilà, Route 7 Select, on voit au dos, au calme. Ouais, tiens, regarde la GoPro, voilà, Route 7. Couleur rose. Donc voilà, bim, regardez. Ouais, super. Bien blindé. Ça y est, on est parti pour aller rouler. Le t-shirt. Ça, c'est encore moi. Ouais. Donc du coup, là, c'est un t-shirt à manches longues. Je crois que c'est celui qu'on appelle le Marlboro. Ouais. Hop. Et bah du coup, je l'ai pris en L. J'espère que la taille, ça ira. Parce qu'on sait jamais, ça se trouve en... large. C'est pas vraiment les mêmes tailles des fois, donc bon. Je vous expliquerai, je vous mettrai peut-être dans la description si les tailles c'était bon pour ceux qui veulent commander. Donc là, je vais pas essayer encore, j'essaierai tout à l'heure. Je mettrai dans la description si ça va les tailles, tout ça. Encore, bon voilà. Donc celui-là, j'ai plus le nom du modèle. Je vais regarder sur la facture. Et alors, c'est Newport. Il s'appelle Newport. Voilà, donc ça, c'est les tout nouveaux logos. Que Route 7 ont proposé. Donc voilà, donc ouais. Je tiens à préciser que sur les manches, il n'y a pas marqué Route 7. Il y en a qui se sont demandé dans mon entourage si c'était marqué, donc il n'y a pas d'écriteau sur les manches. C'est juste là au niveau, voilà, poitrine côté cœur. Ouais. C'est juste, voilà, le petit logo. Donc du coup, deux t-shirts au calme. Ouais. On se met bien. On se met pénard. Ça, c'est... petit grip. Ouais, ça c'est pour tout. Et toi aussi. Ah bon? Bah, le friendly. J'ai commandé un friendly, moi. Ouais. Bon, bah, j'ai même plus que jamais commandé ça. Mais j'en ai déjà un sur ma trotte. Ouais. Au calme. Bon, le petit. La grippe de Zach Martin. Ça, c'est bien quand même. Ça tue. Ouais. Ça grippe bien, c'est trop. Ah, franchement, les gars. Très ça. Classe. Ce grip tape, je crois que c'est mon préféré qui est. Meilleur. Ouais, franchement, le logo, il est vraiment. C'est simple, mais. Vraiment, vraiment. Putain de stylé. Donc du coup, en fait j'en ai déjà un sur ma trotte. C'est tout? Il y a les autocollants encore. Ouais. Ça. Bon voilà les doudous, moi aussi j'ai commandé plein de stickers. Donc là un gros Route 7. Donc celui-là je pense que je vais mettre au niveau du head tube de ma trotte, comme ils font souvent. Donc d'ailleurs je crois que c'est ça pour ça. Il est fait pour ça d'ailleurs. Donc ceux-là, je tiens à préciser qu'on les a achetés sur le site. Ah, je sais pas s'ils en offrent. Mais on les a, moi je les ai achetés, voilà, j'en ai un comme ça. Ah, Michael Mankong. Voilà, Crip. Donc sur là, celui-là je vais mettre devant, à la place de mon logo TSI. Ouais. Bien. Donc le Marlboro. Et là le Newport. Qu'on retrouve sur les t-shirts. Ouais, voilà aussi qu'on retrouve sur les t-shirts. Hop, donc voilà, tout ça. Donc ceux-là, je pense que c'est ceux qu'on retrouve dans le pack. Ouais, voilà, c'est ceux qu'on retrouve dans le pack Tilt. Donc voilà, le petit comme ça, le rond qui est sympa, qu'on peut retrouver aussi sur le t-shirt à manches longues de Tilt. Voilà. Ah non, on va continuer dans Tilt. Vas-y, montre-le à la caméra. Donc voilà, bombe et tout. Franchement, ils font des... Tilt, ils sortent pas souvent de trucs. Tilt, ils sortent pas souvent de nouvelles choses. Mais là, je trouve que les stickers, ils sont vraiment sympas. Regardez tout ça, je trouve que c'est un bon esthétique, il tape des bons trucs. Ouais, voilà. Bon, celui-là il est énorme. C'est le ça, c'est celui d'Olivier. Donc franchement il est énorme, il tue. Il est... ouais. Bon, reverse, hein. On connaît les bails. Voilà, la casquette je la sens même pas les gars, depuis tout à l'heure je l'ai. Je la sens même pas, elle est tellement légère et tout. Juste que, vu que j'ai là les cheveux, je vais l'agrandir un peu. Oui. Petit TSI aussi en bleu. Ah oui, je et là en plus. Vert. Moi j'en prie deux. Ah, ça va mieux. Ouais, moi celui que j'ai pris là.
Bon bah franchement les gars, ouais. C'était une petite vidéo, voilà, petit unboxing, parce que bon moi je me suis pas trop encore présenté sur la chaîne, mais ouais. Je pense que je ferai ça une autre fois. Ouais. Donc voilà, donc là j'étais avec mon pote Olive, normal. Donc à tous ceux qui veulent faire une commande sur Route 7, prévoyez bien les frais de port et tout ça. Mais voilà, gros kiff et tout, je suis bien content d'avoir reçu la commande. On va essayer après tout ça, puis je vous mettrai dans la description si la taille correspond bien à ce qu'on retrouve en France pour les t-shirts. Ouais. Voilà les gars. Bon bah c'était le petit rider, les doudous. J'étais avec Scromos. Ouais. Donc moi je vais vous mettre le lien dans les descriptions pour sa chaîne. Donc on est tous les deux au même local, mais on a une chaîne différente. Voilà. Donc voilà, abonnez-vous à Scromos, abonnez-vous sur ma chaîne. Hein, et petit rider. Voilà, petit rider. Et puis bah une petite vidéo prochainement, je vous en dis pas plus, mais bien bien lourde, qu'on a été tourné, pas mon local, mais région parisienne. Allez voilà, c'est le petit rider et Scromos. A plus.